J'ai décidé d'aider les TPI et les TPE qui ont un projet commun, économique, à utiliser les technologies de l'information pour la promotion de leur territoire. Générer de l'économie numérique, c'est-à-dire faire des sites internet à des gens qui n'ont pas de site internet, faire de la réalité augmentée, de la 3D, du dessin animé, de la photo, du vidéo, de tout et n'importe quoi, c'est les amener à prendre ça en compte dans leur stratégie de communication numérique. On peut s'entraider, se fournir et échanger entre soi les compétences qu'on a au profit effectivement de l'économie du territoire. Et l'économie du territoire, c'est du boulot, c'est de l'argent qui circule, c'est du mieux vivre et c'est du bien vivre ensemble. Les gens, la plupart du temps, vivent les uns à côté des autres, mais ne sont pas souvent la conscience qu'ils sont à l'intérieur d'un système de réseau et qui peuvent s'entraider et qui peuvent se filer des tuyaux. Et donc, mon objectif, c'est de leur offrir un outil qui permettra de communiquer sur Internet, et puis en dernier lieu, probablement un wiki qui permettra de capitaliser la donnée, de créer un outil qui pourrait être transféré à d'autres animateurs territoriaux. La part de plaisir que j'ai là-dedans, c'est de rencontrer des gens qui font souvent un beau boulot, qui font des choses intéressantes, qui ont de la personnalité. L'usage du numérique, la révolution numérique, elle est aujourd'hui fondamentale. On a tous les devices entre le smartphone, la tablette, l'ordinateur. Je veux dire, c'est un outil de communication et d'échange qui est absolument merveilleux. J'ai repris, disons, ma première casquette qui était celle du tourisme pour m'apercevoir, après un certain nombre d'études et puis aussi une grosse volonté, que le monde du tourisme, et en particulier le tourisme territorial, était un grand fracturé numérique. J'ai été fils de céramiste, que j'ai vu disparaître une industrie en France, que cette industrie, elle aurait peut-être pu perdurer, c'était il y a plus de 20 ans, donc les outils n'existaient pas, mais que dans mon constat, elle aurait pu perdurer si effectivement les gens avaient été formés au travail coopératif. Je dis aux gens de la filière économique, ceux qui n'est plus capable de créer ce user-generated content, c'est vous les utilisateurs. Vous êtes à la fois utilisateurs du numérique et également les producteurs de biens. Apprenez à parler de vos biens. Non pas sous la forme, effectivement, je veux dire, de la publicité classique et traditionnelle, sachez être critique par rapport à ce que vous faites, mais je continue à penser que un mec qui fabrique du bon saucisson, c'est le premier à savoir parler de son bon saucisson. Pour tous ces gens-là qui ont une communication grand public, de dire « je peux maîtriser ma communication grand public ». Je n'ai pas nécessairement besoin de m'adresser à un prestataire de service, à une agence qui va me faire, qui va me garantir 50 pages HTML auxquelles je ne comprendrai rien, et eux ne comprendront rien non plus parce qu'ils ne connaissent pas mon job et ils ne vont pas discuter avec moi sur les stratégies à mettre en œuvre. Je veux qu'ils sachent choisir leurs prestataires, qu'ils aient des prestataires en face d'eux qui soient capables de parler le même langage, c'est-à-dire le langage du partage. Tous les sites français devraient aujourd'hui avoir une page avec au moins une quinzaine de photos en Creative Commons qui permettrait aux blogueurs et à n'importe qui d'avoir des photos dont ils savent qu'elles sont librement reproductibles. Et là, on démultiplie la communication. Mes critères de réussite, c'est qu'un jour, sur un territoire donné, les hôteliers soient capables de partager, disons, entre 5 à 10% de leurs fichiers clients. Juste pour une raison complètement idiote. Les nouveaux modes de tourisme font qu'on ne va plus au même endroit. Par contre, on peut être amené à être intéressé par un territoire. Revenir sur le territoire, c'est rarement revenir dans le même hôtel. Par contre, si les hôteliers sont capables de partager ce fichier client, c'est peut-être offrir la possibilité au tourisme de revenir dans un autre hôtel du territoire en échange d'un tourisme qui était dans le second pour revenir dans le premier. C'est-à-dire de faire un mix, de créer, disons, un mouvement brownien. Là, en l'occurrence, avec l'hôtelier, mais ça pourrait être valable pour des tas d'autres structures, pour des tas d'autres industries. Essayer de construire une méthodologie qui, à partir d'une carte interactive, qui est une carte OpenStreetMap, d'une petite société, une petite start-up d'Île-de-France qui s'appelle Umimix, hein, qui sont des gens qui sont extrêmement compétents pour manier à la fois la cartographie, le big data
et l'open data. J'investis dans des abonnements sur un réseau social. Je sais constituer des fichiers Excel qui pourront être réintégrés au format CVS, qui pourront être réintégrés à l'intérieur de la base de données. Et puis également du présentiel, où j'irai présenter le projet, j'irai expliquer aux gens dans des réunions. Là, je commence sur quatre territoires d'Auvergne. J'irai leur expliquer le pourquoi, le comment. Et donc, je veux dire, c'est changer le paradigme de la formation, c'est dire aux gens, jouez, apprenez en vous amusant, apprenez en mettant les mains dans le cambouis, et je vais, disons, vous montrer pourquoi, avec la carte, vous avez intérêt de le faire.